T'es pas. C'est mon petit Scofield. Chira? Du coup. Ça va, j'étais perdu dans mes pensées. Vas-y, Je suis passé à travers les balles. T'as pas été touché. Elle a esquivé les balles, hein. Elle a fait T'as pas été gauche, touché, droite. toi? Non, moi je me suis caché derrière là, j'ai qu'un arc. Je suis parti Hey. bloquer. Normalement, je crois que la première destination c'est Blackwater. Je ne Si, il y en a qui ont été touchés, me. Et non? me voilà. Il en manque un. Tu vois, la lanterne, c'est ça. Ça éclaire comme ça. Bon, j'ai Un faire le frangin. bateau, Ouais, j'ai le entendu, j'ai entendu. charbon et Mais après tu sais on que je remonte. savais c'était quoi la lanterne. Ça, Rappelle-moi la c'est bien, destination, ça. Billy, Blackwater, et ensuite c'est où? Bah, on revient ici, puis on finit. Et On du coup, refait c'est la qui, moitié Anna? Blackwater à moitié Rose. C'est la gestionnaire, Aya. C'est À ma moitié belle-sœur. Rose. C'est la brune. Oui. Ok. C'est la sœur de madame, là, en face. Et moi, je Avec le m'appelle comment? chapeau. Et je sais Shia, plus. Moi, je dirais Célia. Je Célia, sais Célia. plus. Voilà. Je suis la femme d'Isaïe. Et qui que tu Voilà. veux? C'est la femme Et de qui que tu veux? monsieur, là. Donc, Voilà. Isaïe, le bateau. Célia Et et sa Anna, sœur c'est la Anna. femme de Zoltan, qui est le frère Zoltan. d'Isaïe. Zoltan, il est où? Il est pas Il là, est Shiva. dodo. Ah, ok. Et c'est le Mais. frère de Isaïe. Oui. Ok. Deux frères, deux sœurs, là. C'est Exactement. ça. Moi, je compare avec le vendeur d'orange. Ah Comme bah ça, je me Shiva. repère. Exactement, vous avez Eh bien ben, raison. Orange, tu penses à lui, vendeur d'orange. Il a une femme qui a les cheveux orange. Ah oui, bien Et vu. une peau d'orange. Ah, Une peau bien. d'orange Bien vu, aussi. bien vu. Voilà, c'est ça, mais il dit tout le temps que j'ai une peau d'orange. Je sais Oui, pas c'est si c'est grâce un à ça, du compliment, coup. mais je sais pas si. Je sais pas. Je dirai plus rien parce que. Et qui a tonton actuellement ici? Tiens, Rio, faut arrêter de dire que c'est comme ça. J'ai un peu plus de tes conneries sur toi. Oh, ça va, il ticket de peau. Oh, t'as l'habitude, hein. Ouf, ouais. Un peu trop, Oh, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je t'ai pas choisi, tu sais. Oh, ça, oh, ça. Je crois qu'elle en peut plus. Oula. Oh, c'est comme ça. C'est la vie. Du coup, le bateau, je crois Non, qu'il. j'ai perdu ma lanterne. J'arrive, je vais voir comment. Oh, elle est là. Ça, je t'avais dit, je devais acheter une lanterne. Putain. Célia, vous l'avez acheté C'est pas actuellement à un mal, hein. magasin général? Hein? Oh, elle est là, c'est bon. Tirit. Comment on Du coup, fait t'as pour la gagné mesure? combien, toi? Moi, je fais pour l'accrocher Quoi? à ma petite ceinture. T'as gagné Bras combien? droit. J'ai gagné Une fois 31 que tu dollars. assures, tu vois, Enfin, tu vas tu l'as Ah, même tu vois, je gagné. t'avais dit. Tu gardes là-bas, Ouais. après tu arraches comme ça, quoi. J'en profite avant que ça baisse. Regarde, je la Les range. bras droits. Mais Ah, oui. merci. Mais oui. Faut pas que tu t'amuses après à Waouh. échanger de ta poche, quoi. Faire attention, ça brûle pas les fesses, hein, quand même. Hein. Et Ça Raja, faut fond cacher le feu. corps. Ah, ben. Ah, c'est bien, t'as raison, C'est il faut juste cacher chiant le parce que corps. ça rebondit sur mes fesses quand je marche. Oui. Bah, c'est ce Oui. que je T'as vois, raison, il oui. faut cacher le corps parce que Bah, sinon, on sait jamais. enfin. Bon. Ça met les trous dans le pantalon, Je ça. remonte mon pantalon Ouais, mais c'est pour pour ça faire que tout à mieux. l'heure j'ai enlevé mes bottes, j'ai Ok, plein bon. de trous dans le Ok. pantalon, j'ai compris. Ok. Ouais, ça doit cramer les fesses, oui. Alors, je Vas-y, vais Billy. dire. Je Oui. commence. C'est bon, tout le monde sort ses armes. Ah, Billy, c'est possible d'en avoir une ou pas? Bah, vas-y, prends-en une. Bah, on m'a dit de voir avec Vas-y, Armand. Billy, enfin, donne-les plutôt directement, toi, Billy. Ah, mais j'ai plus de place en armes. Ah! Prends-les! Bah, prends-les, Prends-les. Billy, une note. Il a plus de Prends-en place, une, il est Billy, une note. surarmé, mec. Je peux mettre dans mon dos, je Prends-en fais une. comment? Prends-les, j'en prendrai Prochain? une aussi. Comme Ok. ça, fois, il me la Donc, donne dans ma ça main, va mais je voudrais dépendre la si mettre dans ça mon dos. veut. Ok. Prenez une note, il Bah. est Mais tu vois sécurisé. là où tu la sors? Ah, faut Bah, les deux noter, fois. oui, c'est vrai. Deux fois. Oh. Vas-y. Voilà. Aïe. Là, on a une note qui a Merci. noté, donc il y en a une. Est-ce qu'il va Aïe, mais arriver? que je serai au Il moins manque un bête, hein. œil. Ah, c'est. Bah, les 8, Alors, une donc. note comme K, comme Leroy, hein, dans les notes, hein. Leroy, ok, parfait. Tu fais comme Leroy dans les notes, et sauf qu'au lieu de 9, tu mets 8, hein. Et pareil pour K, ça passera à 7. Je te vois, mon petit, je te vois. Moi, c'est Petit, je te 7, vois, ouais. fais attention à toi, ok? Oh, mes yeux, tu es en train de m'éblouir mes yeux. Oh, ça. Si tu cramais la Oh, barbe, c'est ça pas marche pas. possible. Ok. On va arriver à Blackwater, tous armés, ils vont paniquer les barfioles. Mais ils vont paniquer, moi je te le dis, moi. Moi je te le dis. Moi. Ouais. Ok. Très bien, très bien, très bien. Oh,
Braque pas ma femme comme chien, tu vois. Oula. Oh, fais pas chien. Touche pas ma femme, oh chien. Doucement l'agression, oh chien. Prochaine fois, il a balle à part. Moi, je vais l'enlever pour l'enlever derrière mon pantalon, du coup, maintenant. Tu la ressors. Là, tu la ressors. Et après, tu vas dans ta poche et tu l'enlèves. Hop. Ah ouais, là, John, il a sorti les deux armes. Là, non, tu l'as en fait, tu peux directement l'enlever. Je comprends, excuse-moi. Tu n'es pas obligé de la ressortir. Hein. Hop. Et tu te l'équipes après. Hop, voilà, c'est bon. Tout le monde est noté. Bon, je vais commencer à prendre des linges pour moi. Après ton arme. Ah, si, regarde, on va pas chier. Et comment je recharge vite? Oh là là, quel plaisir. Moi, je remets mal à la tête et j'ai perdu mes balles. Stylé, là. Mais il m'en reste un peu. Bon, monsieur Campbell, on le prend pas. Hein. Ouais, j'ai compris, tu l'as pris. Bravo, ah, bravo. Ah non, il est en fait. J'ai pris, j'ai compris. Infect, infect. Non, bah non. C'est madame la... Lana. Ok, bon. En tout cas, enchanté. Bienvenue dans la cotonnerie. Allez, tout le monde, tous en cœur. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, monsieur Flo. Bienvenue. On dirait le saloon quand j'ai donné ma démission. C'est bien, il va nous faire plein de ragoûts. Ah, magnifique. Vous n'avez pas emporté quelques ragoûts avec vous, madame, par hasard? J'en ai un sur moi. Non, avec les chèques. C'est sa sœur. Ok. Du coup, Billy, tu peux lui faire un petit topo là pour ce soir? Ouais, j'aurais dit orange comme ça. Alors, c'est comment votre nom, monsieur? Vincent Plémo. Vincent Plémo. Oui. Ok, très bien. Donc, ouais. Il a été recruté dans l'entreprise ou pas, du coup? Il faut m'expliquer, parce que j'ai jamais fait ça. Alors, Billy, explique non, du coup. Allez, venez avec nous, monsieur Plémo. Oui. Approchez-vous de madame. Ah, mais la porte, elle est coincée. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais. Bien sûr. Oui. Oui. J'en perds la tête, si t'es pas comme monsieur et tout. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on est là, les amis? Ça fait au moins 30 minutes, là, qu'on bouge pas, non? Je vois pas... Enfin, je vois le temps passer. Non, pas du tout, en fait. Enfin si, je vois le temps passer, parce que c'est long. J'étais déjà en train de le faire. Ezoltan, t'étais là quand j'ai fait la réunion ou pas? Ah, un bon vendeur, c'est normal. Ah, ok. T'as vu, du coup, on a le contact, ça y est, on a le contact pour ce qu'il faut. C'est parfait. Et après, peut-être plus à l'avenir, quand on aura assez d'expérience. Que vous soyez chaud, que vous soyez prêt. On y va en bateau. Quoi. On y va tranquille. On y va doucement, mais sûrement. Alors c'est la première fois qu'on le fait sur bateau, donc voilà. Oula. D'habitude on le fait... Oui. M'inquiétez pas. Y'a plus qu'à charger le stock du bateau. Ah écoute, moi je sais pas. Ouais. Demande aux autres, s'il te plaît, Vili, du peux coup. Je peux porter 30 kilos si tu veux. Tu m'expliqueras. Je peux porter. Ok. Je peux porter 40 kilos si nécessaire. Non, il n'y a pas de cheval du coup par bateau. Ouais. Non, mais on y va par charrette que d'habitude. On y va à Armadio en charrette. Voilà. On change, on y va par charrette, par train, voilà. Ouais. J'aimerais bien savoir s'ils ont des annonces, ouais, les bandits, quand on si fait des convois, des choses comme ça. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'action avec les bandits quand on a des convois. Est-ce que vous êtes équipé par... Alors, à savoir, monsieur Plémo, qu'on s'est déjà fait braquer il y a pas mal de temps, mais on s'est déjà fait braquer les voisins. Est-ce que vous désirez une arme ou pas? Ok, parfait. Mais est-ce que vous souhaitez risquer votre carabine personnelle ou une carabine de l'entreprise?
Je ne sais pas, pourquoi je risquerais ouais. ma carabine. Bah, on peut se faire raquer, hein. Pense que vu qu'on va faire en bateau, ça m'étonne. Oui, ça m'étonne clairement. Ça va m'étonner ce soir. Mais par sécurité. Ah oui, bon après moi je suis un peu radin. Ça, je l'ai pas dit à Anna, mais je suis un peu radin et si je dois perdre ma carabine, ouais, autant qu'on me donne une carabine d'entreprise. Ah bah, ouais. Je suis un peu radin. Oui, pourra pas la noter. Bon. Bon, de toute façon, il... Ouais, bon, allez. Vous en voulez une ou pas, du coup aller. Ça devrait aller. Allez, parfait, on y va. Billy, vas-y. Tout le monde. Allez, allez. Tu es notre allez. Guide, Billy. On te suit. Et sortez le bateau. On sort le bateau. Ah, Elle peut pas rester sur place, hein. C'est incroyable. Et ça, c'est une fois par semaine, il est livré. Ouais. Tous les dimanches soirs, on fait une petite livraison, que ce soit par train, par charrette, par bateau, par tous les moyens possibles et imaginables. Donc voilà. Voici ma vitesse maximale. Regarde-le, il y a. Et puis, Ah, mais attends, j'ai 45 kilos, et j'ai les sacs, j'ai mes armes. T'es pas trop sport. Laissez-moi monter d'abord. Oh, ça commence bien. Raté. Allez, Zayar, vas-y. Ça va. Vous avez juste un quota par semaine qui est pas forcément. Le bateau. Voilà. Vous avez 50 linges de coton à faire minimum par semaine. Et vous le faites quand vous voulez. Sympa, et après le reste. Je suis capable de pousser le patron. Je crois qu'on peut pousser le chef. Vas-y toi. Non, vas-y. Et Billy, manœuvre. Ouais, on va être un petit peu serré, j'ai l'impression. Il y a du mal à reculer ce bateau. Eh, hey, patron, il y a Morgane, il veut vous pousser dans l'eau. Je t'avais dit que c'était un petit bateau. Non, c'est lui qui veut pousser. Laissez-moi te manœuvrer, j'arrive. Billy manœuvre, c'est attention. C'est elle qui veut. La dernière fois que j'ai fait un voyage en Montgolfière, il y en a qui tombait de la nacelle. Là, préparez-vous à tomber à l'eau, je suis à oui. S'il y a un bon nageur qui me voit pas remonter, c'est parce que je sais pas nager. Allez, Edouard. Ouais, il a sauté, il a pas attendu que le bateau était arrêté. Oh, tout le monde est dedans. Allez, c'est parti. Oh, pardon. Non, lâchez ça. Pardon. Aïe, la bataille. Là. Il va y avoir des gens qui vont plus tomber. Plus personne ne bouge. Ouais. Oui, plus personne ne bouge parce que sinon, ça, si vous tombez, je vous ramène pas. Là, vous démerdez. C'est parti. C'est très. Nanana. Intime comme situation, oui. Ah non, mais. Attention, Morgane, tu risques de tomber comme si. Avec la brume. Je me suis jamais senti aussi proche du Mexique. Ah, je suis encore sur le bateau pour moi. Ah oui, d'accord. Je sens que. Anna va tomber. Anna va tomber. Non, mais on a des soucis. Ouais, mais. Non, mais moi aussi. J'ai des soucis. C'est les yeux, sérieux. Vous inquiétez pas. Allons. Allez. Le champion côté arrive, vous le connaissez ou pas? Je l'avais dit. Allez, allons. En même temps, je vais mettre au moins 2 jours avant de reconnaître les noms à tout le monde. Le champ de la cotonnerie, qui le connaît? On l'a oublié. Cité champion. C'est pas ça? Tu vois, je sais pas ça. C'est quoi alors? Ah, j'y pourrais plus. J'ai jamais entendu encore. Et on a perdu quelqu'un. Non, non, c'est rien, non. C'est les soucis des yeux, vous inquiétez pas. Moi aussi, avec l'alcool, j'ai l'impression de voir des gens tomber. Moi, j'ai vu Anna tomber, c'est. Ah oui, un chiffon. Fond les cotonniers de Braithwaite. Fond les cotonniers aux mains parfaites. Ah oui, voilà. Des oranges. Incroyable. Des oranges plein les poches. Exactement. Isaiah, tu la connais celle-là? Pas joke. C'est l'histoire de Répit et de Répète qui sont sur un bateau. Répit tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Répète. C'est l'histoire de Répit et Répète qui sont sur un bateau. Répit tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Merde. J'ai perdu ma voix.
C'est parce que je viens seulement de débarquer, hein, mais ils ont raconté des blagues. Ah, ça c'est bien. Vas-y, raconte. Vas-y. Oui, mais bon. Attendez que. Bah, t'as lancé. Fini. Allez, vas-y. Lance-en une ou deux. Ah, monsieur Plément. Vous l'avez constipé, bravo. Monsieur Plément. Parce qu'en fait, oui. On va le mettre à l'aise, on va l'appeler Vincent ça, déjà. Fait, allez, Vincent, c'est parti. Ouais, oui, hein, c'est plus monsieur Plément, c'est Vincent maintenant. Ouais, ah oui, c'est Vincent, c'est vrai. Oula. Ouais, tout le monde m'appelait Plémo, donc. Vous allez nous manquer au salon quand même. Vous appelez pas Bill plutôt que. J'ai repassé le flambeau à mon ami Timothy. Le petit ouais, gros pas là. Très doué. Ouais, pas très doué hein, quand même. Oh. Ouais, mais c'est un amour. C'était mon ami au saloon. Il a pas réussi à ouvrir les caisses tout à l'heure. Ah, mais il avait réussi tout à l'heure. Il avait pas la bonne clé, c'est pour ça. Ah oui. Il veut toujours se battre, mais sinon, c'est, à part ça, c'était un bon collègue. Pas très doué, mais peut-être serviable. Serviable, rigolo. Con. Ah. Ah. Une petite voilà la lumière. On peut pas te voir. Ah oui, lumière. Ouais, la lumière. Il y a la petite brume là qui donne une petite ambiance. Là, on croirait un bateau de clandestin quoi. Un bateau de Mexicain. Arrive. Ouais, les gardes-côtes ils vont arriver. Je me dis que quand ils vont nous voir débarquer, ils vont se demander ce qui se passe. On était déjà que les machins sont en ville. Ah ouais. Ah. Avec eux, je vise bien. Ouais, oula. Oula, j'ai peur, chien. Ouais, oula, oula, je vais regarder bien pour viser. Ah, je suis sûr que tu fais peur. Billy, combien d'heures je vais vous sur vous actuellement? 1500. D'accord, oui. Okay. Alors, en termes de consommation, ouais, c'est beau. Comment ça se passe pour le bateau? Moi, je suis touriste. Merde. Parce que vous m'aviez demandé d'en prendre 500 ou 1500? Sur le casse-billet. Non, 500. D'accord, oui. Okay. Mais en tout, on a 1500. Sur le casse-billet. D'accord. 3x6 font 11 ou 3x6 font 11? Ça fait 60 de casse-billes. Ou alors c'était un gros poisson. Très gros poisson. Ah, on arrive. Hein. Je vois la petite lumière, la petite lueur. Eh ben, on est à Blackwater là, je reconnais. Ouais. Malheureusement, oui. Ah, ouf. Pour moi, la ville la pire, c'est quand même Valentine. On est d'accord. Ah, ça, c'est vrai, ça. Oh, attention, on va éviter de tomber. Pas de soucis, moi. Je vais faire une petite manœuvre. Oula, j'ai peur. Oula, Aïe. Accrochez-vous à une anneau. Et voilà, ah non. Oula là. Sur la manœuvre. Attention aux armes. On va manœuvrer. Manœuvrer. Allez, sautez tous. Sautez. Aïe, bon chiant. Ouais. Enlevez les carabines, on est à Blackwater. Alors, normalement c'est à gauche. Attendez, on va faire un petit tour à droite. Allez. On va dire que bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est un hold up. Pardon, excusez-moi. Il y a des mots qu'il faut pas dire. Merde. Rébellion, Billy. Il faut engager la rébellion. J'ai remarqué qu'Anna fait comme moi maintenant, elle croise les bras. Voilà. J'aime bien. Ah, je vous jure. Personne n'a Blackwater. Tiens donc. Marchez sur les trottoirs, hein, parce que sinon. Ça fait les bandits, là. Ça fait. Soyons civilisés. On investit Blackwater, nous. Ouais, on investit Blackwater. On a envahi Blackwater.
Ça va, frangin, tu stresses voilà, pas. Voilà, très belle votre robe. T'arrêtes, John, t'en as assez. Ouais, bah tu les déshabilles après. Ouais. Tous dans la... Allez hop. Allez, tous dedans, allez hop. Allez hop, tous dedans. Allez hop. Le break-in. Je crois qu'en plus il y avait quelqu'un. Ceux qui doivent faire des emplettes, c'est le moment. Allez, Leroy, tu peux me passer les 500 que t'as sur toi, s'il te plaît. Ouais, renard en paille. Bah, comment t'es trop badass. Je crie de badass, moi. Ouais, je sais. Hop, merci bien. Là, c'est bon, c'est la première partie vendue. Ah non, 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 on va retourner à Cotonnerie, on part à Rhodes. Et on sera bon pour ça. Mettez pas votre argent dans la poche, je vous cogne du petit coquillou. C'est normal. J'en ai encore 250 à écouler. On fait la moitié ici, la moitié à Rhodes. À Rose. Un peu comme Rose. Au Saloon, les soupes, on les ramenait aux marchands. Ouais, voilà, voilà. Bah là, nos marchands, là, nos manchots, ils sont pas là? Je le sens pas. Quoi, Duke? Y'a pas de manchots? Yo. Dis donc. C'est quoi des manchots? Je sais pas. Bah là, ils sont partis au Saloon? Je sais pas trop ce que je dis. Oh, y'a John, il a vraiment la manche à gauche. Y'a pas de marche, c'est quoi ça? Il est en train de tout dire déjà. Où, Il en a passé à son chez lui là-bas. Ah oui. C'est un coquino. Avant qu'on prenne le bateau, je voudrais qu'on fasse. Hey John, comment tu fais pour toutes les séquences? Ouais, ouais, au niveau de. T'inquiète pas, la jetée, je pense. Tu pourras expliquer, Isaiah? La petite photo de groupe. Écoute, je lui expliquerai, ouais. J'ai pas très photo de groupe. Ah ouais? Coiffez-vous, coiffez-vous là. Refaites votre mèche, monsieur Vincent. J'allais vous appeler monsieur Plémo, mais non. Oh, c'est vrai. Ça me dérange pas, moi. Ah bon, coup. Ouais. C'est coiffez-vous côté, tout le monde. C'est hein. L'autre côté, les enfants. Jetez à gauche là. Eh oui, c'est là. Gauche. Ah, il est juste devant là. Ça sent parfait. Incroyable. Hop. Ah mais... Voilà. Au bout de la jetée ou là devant. Au bout, ça va mieux. Au bout, ça va. Il y en a qui vont tomber dans l'eau. Ah, ils sont... ah. Ah devant, est-ce qu'il y a escalier, ça sera parfait. Devant les. Avec les petites lumières là, ça rend bien, je pense, non. Hop. Les petits devant, les grands derrière. Allez. Tu veux la faire comment ta photo, Billy? Sur les marches comme ça, Billy, ou... Bah oui, sur les marches comme ça, ouais. Comme ça on pourra s'aligner. Bon, moi je suis petit, donc je me mets derrière, moi. Les petits devant. Je suis petit. On fait une belle ligne, les enfants. Une belle ligne. On voit rien avec ta lumière. Hello. C'est pas boufoufou le transport, hein. Je trouve que c'est trop simple. C'est parfait ça. Ah ah. Allez-y. C'est beaucoup trop simple. C'est bon, parce que j'ai un peu mal aux joues là. oui, pour moi c'est bon. Pour tout le monde. Ok, nickel. Ah, pardon, il faut le bateau. Il y a plus de bateau, voilà. Il y a plus de bateau, ça y est, il est coulé. On va devoir partir. Mais non. Allez, hop. Tout seul l'eau.
Voilà. Mes cheveux, nom de Dieu. Aïe 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 aïe. Allez, tout le monde à l'eau. Tout le monde à l'eau. On a perdu personne. Pardon. Il y a quelqu'un qui arrive pas à monter. Il est là déjà. C'est Morgane. Il m'a accroché à la chaudière, moi. C'est bon, et tout le monde. Normal, t'es dedans ou pas? Je suis là. D'accord, vas-y. Dedans. C'est bon, il est là. C'est bien. Ouais, c'est bon. Je suis là, je suis là. Tout le monde est là? Parfait. Ah, t'en fais une petite air de guitare. Oui. Ah oui, une petite guitare. Ouais. Alors, je marque bien pour bien viser. Non, pas là. Là, voilà, parfait. Et c'est parti. En plus, on a le bateau radio. Non. On a tous les instruments de musique. Je trouve que ce genre de truc c'est trop simple. C'est dommage qu'il n'y ait pas des choses. Après, ce groupe de bandits doit faire des choses aussi. Nous on peut pas le faire sinon ce serait trop voyant. Genre, on n'est pas là et il se passe un truc, ce serait trop voyant. Alors, comment vous aimez mon petit air de trompette là? Nul. Quoi? Ah, la violence. Ou le bel Il y a Shira Bayré ici, oui. Aïe, aïe, j'ai mal. Oh merde. J'en peux plus. Aïe. La Shira Bayré. Dégâts émotionnels sans son. Je vois des tortues rebondir sur l'eau actuellement. Je pense que mes yeux me jouent des tours. Ah, Shira Bay. T'inquiète, c'est une espèce normale ici. Tu vas voir aussi des poissons volants, tu quittes pour qu'il y a un des crocos qui volent, t'inquiète. Tout se passe bien. C'est normal. C'est la cotonnerie. Ouais. Ah oui, tout à l'heure, à la photo, on aurait dû dire cotonnerie à la place de tease. Ouais. Ah, j'ai oublié de le dire, mince. Je suis sûr que les. Je suis sûr qu'on vous en tiendra rigueur. Il va nous faire tomber. Lalalala. Il va nous faire tomber. Ah, il va me faire vomir, BD. Petite absence. Ouais. Il a pas peur avec ça. Va, la mer, elle est moins mouvementée que tout à l'heure. Ouais, effectivement. Oula, y'en a un qui essaye de me pousser dehors. Oula, vous êtes. Non, ce n'est pas oula, 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 oula. Il n'y a pas dit qu'à bord. Pas panique à bord. Je vais rester à côté du barreur. Ça m'a l'air le plus, le moins dangereux. Non, c'est ma place. Eh, hey, j'avais dit que tout le monde pourrait rentrer, hein. Arrêtez de me pousser. Les femmes et les enfants d'abord. Je voulais que vous tombiez dans l'eau. Mince. Oh, mais c'est mignon, John. Non. Tu t'accroches à Carl. Ah bon? À vous? Ah bah moi je m'accroche à toi. Ah oui, pour s'accrocher, il s'accroche. Hein. Ah oui, on s'accroche, hein. Oula. Oh, il est pas calme. Donc il faut faut passer la main là avant de prendre de l'eau et te laver les yeux. Il va avoir des jaloux. Je crois qu'on a perdu. Ah oui, on a vraiment. Ah non. Ah yo, oh bon chaud. Ah non, ah toujours pas. On a perdu un, deux. Zut alors. Ça va être drôle. Bah ouais. On va être un petit peu de gaieté dans tout ça là. On va être un petit peu de gaieté dans tout. En même temps, de Dieu, vous avez des verres au cul. Technologie, c'est dangereux, hein. Arrêtez de bouger. Oula, oula, oula. La. Regardez. Surtout que j'ai pas confiance aux bateaux, genre je trouve qu'ils sont pas. Allô. Ils ont pas peur, hein. Hop. Ah non, ça passe pas. C'est. Ah non, mince, j'ai pas réussi. Je jouais pas avec le feu, monsieur Campbell. Parce que c'est nous, c'est où qu'elle est, l'eau. Bah, ne sais même pas. Bah alors là. Je défie la personne qui souhaite me mettre à l'eau, quand même.
Oh bah chien. Quoi? Vous avez même pas. Ah. Si tu vois, vous jettera quand vous faites, monsieur Kobei. Ah, avec tout pas, j'ai. C'est moi, poté. Je sais pas, mais. Oh oui. Je trouve pas une solution. Oula. Et si tout le monde nous attrape? Non, je suis là. On a perdu quelqu'un. Non, on est toujours. Ah, chez Larba, vous y inquiétez pas. Qui ça, qu'est-ce que malheureusement là? Leroy. Non, je t'ai reconnu, t'inquiète. Mais c'est bien, il était dans l'eau. On se retrouvera. Ah, stop. Ah, là, il est tombé. Hop, et adieu. Quand je vais me noyer, adieu. Il y a des piranhas qui arrivent, vite. J'ai presque la fin, frange là. On ne sait pas trop. Oh, pardon! Oh, Morgane, toujours en train de pousser les autres, hein! Ah, c'est tout le temps! C'est bon? Oui, c'est beau! Ah merde! C'est bon, je suis là! Ça fait bon qu'on arrive, j'en peux plus! C'est Morgane qui a poussé! J'en peux plus, tarde de sortir! Hey, John! Allez, toi, John! Allez-y, c'est beau, diva! C'est bon, on peut y aller là! Il me tarde d'aller là-bas! Frangin, t'es tombé à l'eau! Je pense qu'il y a un peu tout le monde qui va tomber à l'eau là! Moi je vole pas trop dans l'eau. Quoi? Ah, y'en a un à l'eau là-bas. Oula! Kiki, t'as pas un dans l'eau là-bas. Rot, il va se noyer. Bah, c'est Vincent. Ah merde! Ah! Deuxième. Oh bordel! Voilà! Bon, il est chaud! C'est pour ça qu'il me tardait de me barrer, hein, j'en pouvais plus. Je vous jure. T'as, faut que t'aies cherché celui qui est dans l'eau, je crois que c'est monsieur Campbell alors. Non, moi je suis là, regardez. C'est pas ça, ouais. Et juste derrière. Ouais. Il va se noyer. Mais non. Bah, si. Mais non. Bien sûr que si. On peut vraiment. Bah, bien sûr que oui. Ah, si il reste trop longtemps dans l'eau, si t'as plus fatigué. Si t'as plus d'énergie, comment veux-tu fais? Bah, tu te noies. Allez. Je t'envoie une bouée. Je t'envoie une bouée aussi. Oh, je crois qu'on va le noyer en faisant ça. Je crois vous allez le noyer. Et bah, je crois que. Oui, je crois que. Ouais. Je crois que c'est. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ah, vas-y. Vas-y. C'est quasiment plus. Ah mais c'est monsieur c'est Vincent. Bah oui c'est Vincent en plus. Bah oui bah il m'allait bien qu'il y en ait un. Qui c'est qui veut voir le dos? Voilà. C'est le bizutage. Voilà c'est ça. Et finalement qu'on se barre là j'en peux plus là. Et voilà. Hop on est parti sur Rod du coup. Oh non il faut qu'on aille à Rod. On y va à pied on voit. On y va à pied. Ah bah ouais. Ouais. Ouais à cheval allez tout le monde sort son cheval. À cheval. Ah mon cheval. Alors on évite de prendre trop de cheval. Non, on y va quand même beaucoup. Moi j'aime bien beaucoup. J'aime bien. Bon alors déjà que 10 personnes peuvent avoir de mal les têtes, alors bon, on va éviter d'avoir plus. Alors c'est bon. On est prêt. Ouais c'est parti. Attends, je vois ça, je sais pas, je me pose la question, c'est qui vraiment le. Le chef en fait, le patron, parce que des fois j'ai pas l'impression que. J'ai l'impression que les rôles sont inversés, voilà. Je comprends rien. Attendez devant, attendez, devant. Faut qu'on soit tous ensemble. Attendez. Ah ouais, c'est comme d'hab, hein. Ça s'attend pas, ça trace. J'ai l'habitude. Bon, tout le monde est là. Bon. Ouais. Nickel, allez, c'est parti. Petit galop, voyons. On prend la grande route, on prend la route principale. Je pense qu'un jour, si on se fait braquer, on tiendra pas. Genre, je pense qu'ils vont réussir leur coup. S'il y a un groupe de bandits, tu vois. J'en suis sûr. Oui, il est tourné d'un coup. Mon cheval il est attiré vers toi, il arrête pas de te regarder. Mon cheval il est attiré vers toi, il arrête pas de te regarder.
La semaine prochaine, on fera par train, je pense. Ah, ça, ça peut être pas mal par train. Moi, ça risque d'être un peu risqué le train. À tout moment, il y a des gens qui, s'ils voient le train, ils peuvent peut-être l'attaquer, tu vois. Ça, c'est cool. Le bateau, c'est trop simple. Je trouve que c'est pété. Hein. Anna, ton arme. Ouais. Bien le bonsoir. Ah mais c'est là en fait. C'est à gauche. Hop, on peut mettre pied à terre. Ah oui, en fait vous... Yep là. Hop. Hop là. Pour ceux qui ont encore des linges de coton sur eux. Ouais, c'est ça en fait. Enfin, soit on fait tout d'un seul coup, par exemple, là, on l'amène à Armadio, soit on va un peu partout, ouais, à différents magasins. Voilà, tout, c'est ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et comme ça, oui, bien sûr. Un long trajet, tout je sais pas, je te parle depuis tout à l'heure, tu me répondras pas. Un bon petit moment, je t'ai pas entendu avant. C'est ça le but. Ouais. Tiens, on t'entend plus parler et je pensais que tu voulais. Du coup, cuisine. Je pensais que tu boudais parce que tu parlais plus. Ah yo yo. Alors, je sais pas, tu as dû tout à l'heure. Qui c'est qui boude? Mon dieu, peut-être mal à la tête. Bah, tout à l'heure, elle disait qu'à Paris, mais je l'entendais pas, père, tu es beau. Bah, non. Tout est bon du coup? Eh oui, c'est bon. Je vous offre tous à voir au saloon. C'est gentil. Ça. Allez. Un petit verre au saloon. Allez. Allez, on y va à pied. Allez, c'est parti. Zou. Ah, j'étais joué. Je vous avais tous. C'est rancunier, hein. Oui, je suis recueillie, oui. Alors ouais. Vas-y, truc à faire ou quoi? Bah, oui, j'aimerais bien vous parler, oui. Ouais, bah. On va pas rester. J'aimerais bien voir l'argent. Hop, hop, hop. Non, mais c'est convivial. Gratuit, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Ah ouais. Oula. On va pas que ça fout. Ah ouais, quand même. Oui, mais il y en a qui tiennent pas l'alcool. Ah non. Avec un. Oui. Ah non, c'est. Isaiah. Johnny vient de mettre un coup de pied dans le chien. Oh, ah, c'est bien. Ah, c'est bien, John. C'est cool. Je savais que c'était son plaisir. Ouf. Ouf. Ah, tiens, tu vas voir. Ok, je retiens, tu vas voir. J'y vais voir. On va tous arriver. C'est un braquage. Pardon. Chaque fois je le fais. T'as pas tué une exacte. Ouais. Allez, c'est toi qui a pas tué Pac ce soir. Non, c'est toi. Qui tu as? Attends ça. J'aime bien. Non, c'est vrai qu'il est pas mal. Bonsoir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ah bah là, les mecs, j'ai jamais vu ça. Eh bah, je vous ai dit que j'allais devenir le meilleur client du saloon. Ah bah là, c'est le cas. Bah voilà. Monsieur Playmo. Messieurs dames, petite nouvelle. Bonsoir. Le général. C'est vrai. Figurez-vous qu'on va fiancer ce dans cette pièce. Oui. C'est vrai. Vous avez officialisé. Oui. Figurez-vous de sortir. Figurez-vous. Merci. Top. Évidemment. Alors là, si je suis invité au mariage, je serais très mal. Bien ceci. Ah bah ouais. Ah, ça change de samedi. Enfin, je te dis que c'est de vie sur côté. Ouais, c'est sûr. Ah, bah, je vais présenter mes... Moi, j'ai entendu qu'on payait... Quelques minutes plus tard... Bah, écoute, vas-y. Hein. Moi, je veux bien de limonade. Je n'ai pas de limonade, malheureusement. Oh. Là, c'est Timothy qui va faire la gueule de peine, là. Quelque chose de pas alcoolisé. J'ai pris un petit bain. Je fais exprès, en plus. Ça l'énerve quand je veux prendre mon bain. Je vais prendre un bain de luxe. N'avais pas assez d'argent. J'ai plus d'argent sur moi. Mijère. Yo. J'ai plus d'argent. Oh yo.
C'est vrai, j'ai tout donné. Un pochon. Ah, pochon, j'ai plus d'argent. Tout est à la banque et j'ai plus rien sur moi, j'ai mes copies de mobilier, pochon. C'est pas grave, je vais prendre mon bête du choy. Aïe hop. C'est pas grave, j'ai fait croire que j'ai pris bien avec une game. Ouais, va dehors, gros dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi ils se prennent la tête? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je vais être bloqué, je sais pas pourquoi. Je crois que ça a fait bugger, non? Allez, termine ton bain. Saloperie de dégueulasse. Je crois que je suis bugué. Voilà. Il y en a qui m'a pété l'oreille. Je suis bugué. Bourbon, whisky, vin. On peut pas annuler quand c'est comme ça, il y a rien à faire, on est bloqué. Pour le monsieur encore à côté là. Putain, je suis complètement bugué. Avec le chapeau. Et si je fais ça, le nain à côté du géant. Oh, je suis complètement bugué les amis. Oh non. Ça peut se faire hein. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Oh non. Monsieur Olina, qu'est-ce qu'il vous faut? Mais non. Ah oui. Oui. Mais c'est celui qui me rajoute le ventre. Oui, vous allez me remplacer, hein. Et je peux pas sortir, je parie. J'ai vendu combien de jeux, là? J'en ai vendu beaucoup. Tenez, je peux rien faire? Je suis bloqué. Je suis bloqué. Quelques minutes plus tard... Y'a quelqu'un enfermé dans la salle de bain? Oui, je suis enfermé. Ah, c'est ça, je sais. Vous inquiétez pas, j'ai... Monsieur dans la salle de bain, vous inquiétez pas, j'ai... Comment dirais-je, j'ai envoyé un corbeau, Dieu. Vous entendez des gens qui ne sont pas là, dans votre tête? Je vais te coincer dans le bain, je vais te coincer dans la baignoire. Je suis coincé dans la pièce, exactement. Oui, mais connais-vous la porte, je sais comment faire. C'est bon. Regardez votre bureau D. Éloignez-vous de moi, les gens. Tout le monde, tout le monde. Même vous, là derrière, éloignez-vous. C'est tout court. Je me cueille à la porte, je me cueille. Ouais, restez collé à la porte, madame, vous aussi, madame. Je me cueille, je me cueille. Ah oui, oui, oui. Ouais, d'ailleurs. Vous venez quoi? Madame, bougez. Merci. Restez collé, voilà, occupez-vous. Ça marche. Normalement. Ah, merci. Et voilà, mes copains. Merci. Vous n'aurez plus les gens dans votre tête. C'est l'habitude ici, là, tout le temps, je dois coincer. Ah, merci beaucoup, monsieur. Je sors d'ici tout de suite. C'est pas tout le temps. On s'est perdu. Monsieur. Non, non, c'est non. Ah. Attention, il y a un braquage à la banque. Bien sûr, attends. Une grosse explosion. Oui. J'envoie un message au corbeau aux yeux, attends. Pour dire que c'est beau. Toi, là... moi s'il te plaît. Monsieur. Pardon, excusez-moi. Je me sens vieille. Il se passe quoi ici? Il y a eu un braquage à la banque. Pendant que Monsieur toi Orange. T'étais en train de te faire brosser le dos. Ah, j'ai dit bloqué, oui. 2 fois 3 oranges, ça fait combien? 60 casse-billes. Menteur qu'il est. Allez, au revoir. C'est comme ça. Ça sert à rien de discuter avec lui. Et 60 casse-billes, monsieur. Ah, c'est comme ça. Et 3 fois 3 font 11 ou 3 fois 3 font 11? Oh putain. Ah, là est la question. Ah oui, mais alors déjà qu'il a du mal à compter, si tu veux. Mais toujours 75 000. Voilà, bah oui. Oh là là, il a que ça dans la bouche. C'est pas la peine de parler. 4 x 4 qui fait 75, puis Zibi. D'ailleurs, t'as ta guitare dans la main. Ah bon? Excusez-moi, mademoiselle. Hop, comment voilà, vous voilà, faites voilà. Pour supporter monsieur là? Je sais pas comment vous faites. Une question d'habitude. Ah merde. Du moi, coup, je pourrais pas. Du coup, on va faire un retour avec Vincent. Vincent, il va arriver. Tout qui est à l'intérieur. Attends, j'arrive. Alors là, j'ai pas compris. Il y a un retour chez Vincent. Il y a qui ce cheval? Avec Vincent. Oh là. Bonjour. Ouah, le boulot. Je pense que il faut lui montrer. Comment on fait? Carl, il va
Comment? Tu vas qui... montrer comment on fait le boulot. Boulot de quoi? Ah oui, t'es dans le bon état pour lui montrer, oui. On va rigoler. Hein? Boulot de quoi? Pour lui montrer comment on fait, bah pour la cueillette et tout ça. Voilà. Cueillette? Oh le boulot, oui. Si je vois 3 cotons et en faut 6, on est mal. Hein. Ah. Ah, moi je peux pas. C'est au gestionnaire de faire ça. Je te voyais bien expliquer, ouais. Ouais, ouais, je suis délivré, ouais. Là, non, là, moi je dis qu'on y a, est mal. Il y a une on astuce. Est mal, on est mal. Attends, je m'écarte. Okay. Il y a une astuce parce que j'essaie d'envoyer un message au modo, etc. Mais ils ont mis du temps à vite à interagir. Et entre temps, il y a eu quelqu'un qui travaille au saloon, qui a l'habitude. Il m'a dit bouge pas, colle-toi à la porte. Et il m'a pris dans les bras, en fait, à travers la porte. Et il m'a fait passer. Ah, il faut que vous alliez voir les ranchs. Qu'est-ce qu'on fait, on attend comme des cons. Ouais. Ranch. Normalement, je perds trop de temps. Il brosse bien les chevaux. Je crois que je vais arrêter de faire les soirées comme ça, je perds trop de temps. c'est je sais pas ce qu'on attend en fait. Oh, y'a Choco et Joy au fait. Je suis d'Almrod, ils ont des brosses. Tant qu'embelle. Oh, j'ai des barres, y'a Choco. Voilà. Il est fou. Oh, on a attendu, on fait qu'attendre quoi. Je crois que j'allais à la cotonnerie vite fait, mais c'est rien. Ça marche. On va passer d'abord par la route là d'abord. Pour montrer à Vincent. D'accord, ça marche. Oui, bon après si vous êtes occupé, on va faire ça demain. Non. De toute façon, moi ça va aller en fait là. C'est... Ah, c'est bien. Bon, c'était bien sympathique en tout cas. Du coup, l'explosion que j'ai entendue dans la salle de bain, c'était un braquage. Ouais, il faut des prises d'otages. C'était le braquage de la banque, est-ce que j'ai entendu l'explosion? Dommage, j'ai tout loupé. Ah ouais, franchement, ça aurait été top. Oh, c'est qu'il y a du monde là. Attendez là. Ah, j'ai pas loupé que ça. Ah. Ouais, ça serait pas négligeable, ouais. C'était gentil, ouais. Ah, on va faire JBQ, ouais. Bonjour, monsieur. On va faire JBQ, ouais. Ah oui. Je vous suggère de faire un retour. De toute façon, ils vont pas se gêner, ils vont venir dans le saloon. Hein. Retour sur Rhodes, hein. Ah tiens. Va au Chahut. Aïe. On va au Chahut, c'est rien. Faut aller au Chahut. Oui, on va aller au saloon, hein. Ça bouge. On va repartir. Ils sont partis. Ils sont en train de partir. Ouais, mais ça va partir, vers la cotonnerie, ça dit. Oui. Ça ouais. Va cotonnerie tout ça. Ça part vers chez nous, ça, oui. Oui. Fais rapidement le tour. Oula. On passe par là. Attendez, venez. On fait rapidement. Hop, venez par ici. Attention, je sais très bien ce qu'il faut. T'inquiète pas, on va se faire avoir qu'elle veut. Mais vas-y, suis. C'est pas grave. C'est par là. T'as compris ce qu'il vaut faire, Judd. Il vaut passer sur la droite après d'un coup, tu vois. Ils vont venir à la cotonnerie, info sûr. Sort les armes, c'est ça? Ils ont vu qu'on était les cotonniers. Merde, alors. Équipez vos armes si vous en avez, hein, parce que là. Hop, allez, on y va. Par contre, j'ai pas envie de mourir. Moi, je meurs pas pour 10$, je vous dis. En plus, je me suis. Oui, si tu fais le cowboy, tu vas te virer du. Bienvenue à la cotonnerie. Bienvenue, oui. Bienvenue à la cotonnerie. Ils sont sur la gauche, ils sont en train d'observer, j'en suis sûr. Ils étaient habillés en vert, hein.
Ah, ils sont pas bêtes, ils ont bien vu quand ils étaient sur moi les côtoyer, ils vont vire. Attendez, pour certains d'entre vous, j'aimerais quelques personnes avec moi. Je vais faire le tour du domaine pour voir s'ils sont encore par ici dans les parages. Ça marche, mais j'arrive. Ok, bah ceux qui veulent faire le tour du domaine avec moi, venez. On fait le tour du domaine, ouais. On passe par la droite et on va vers la gauche. On fait le tour. Oh, c'est rare de monter derrière un cheval. C'est pour ça que je suis descendu. Hein. Et en plus, ça se met qui derrière Monsieur Campbell? Grosse erreur, Célia. Très grosse erreur. Très très grosse erreur. Une énorme erreur même. Là, y a rien. C'est pas la tenue des c'est pas les dernière fois ceux qui étaient venus qu'ils avaient fait un truc, c'était pas les shooters ça? J'ai un doute là. C'est bizarre non? Parce que là ils nous attendaient clairement, je sais pas si. Ils attendaient pour voir si on allait avoir. C'est quoi? Ouais bah ouais, mais. Ils sont dessus, ils sont vers chez nous, j'en suis sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je t'entends pas. Ouais, il faut éviter le. L'affrontement. Voilà, il faut éviter l'affrontement. On passe devant eux, on montre qu'on est bien armé aussi. Oui, bien sûr, moi je vais pas mourir pour 10$. Hein. Mmh. Je pose mes armes direct. Il y a le vent qui. Ouais, je pense. S'ils pensent que je vais mourir pour 10$, les gars, eh, moi je pose mes armes direct. Et je pense qu'ils sont partis en direction de chez nous, j'en suis sûr. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui est planqué dans les buissons là-bas qui observe. Ouais, au bord de l'eau, on a déjà fait le tour. Normalement, il n'y a personne, mais. Non, ils sont pas allés là-bas par contre. Ils ont pas vérifié sur la droite. Hein. Ils ont pas vérifié. Hein. Et par contre, Célia, elle a fait une grosse erreur de se mettre derrière Monsieur Campbell. Hein. Jamais faire ça. Hein. Je vous rappelle qu'il est ciblé, Monsieur Campbell. Faut jamais se mettre derrière lui. Hein. Qui ont été reprises du coffre, va falloir les remettre à l'intérieur dans le coffre. Ouais. En tout cas, merci à vous, c'était bien sympathique cette soirée. Ouais, et on a fait vivre un petit peu le saloon, vous voyez, tous ensemble. Il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment sympathique. C'était l'une des plus belles soirées, enfin, une des plus belles. Ouais, ça fait partie du top, on va dire. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Moi, je vais prendre. Je vais aller dormir un petit peu. Hein. Et je reviendrai peut-être demain, on verra. Ok. Ok. Salut, Anna, du coup. Hein. Mm-hmm. J'allais dire Célia, hein, mais je me suis rectifié. Je commence à l'avoir, c'est bon. Du coup, Anna, ça va aller pour avec Vincent? Oui, je vais lui expliquer, pas de soucis. Et fais attention, du coup, parce que vu les personnes de tout à l'heure, là, juste avant, on prend pas de risque. Hein, rien, hein. Je connais pas. Okay. On va faire ça vite. Mais voilà, si vous voyez quelque chose, messieurs, dames, ouais, n'hésitez pas à le signaler. Envoyez une missive à tout le monde, dites que il y a un problème à la cotonnerie, et puis on se ramène un peu tous, et puis on essaie de régler le souci. Ok. Voilà. En tout cas, merci à vous, et passez une bonne soirée. Okay. Et peut-être à demain.
Bonne soirée. Allez, bonne journée. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Billy, est-ce qu'on donne les 10 dollars tout de suite? Ah bah oui. Je pense que ils les attendent. Normal. Il est là à côté de moi. Tu t'en sors, ah bon? Oui, oui, on a une petite prime en faisant les exports comme ça. Tu vas pas de plein? Ah bon, moi, ça a été plus un voyage que un travail. Hein. Déjà, c'est compliqué de compter. Alors, oui, quand on fait que à cheval, c'est plus tendu. Hein. Là, on est déposé. Vous avez une tenue verte, vous avez vu? Vous allez nous faire une belle file indienne. Wow. Ouais, vous savez bien le faire ça. Allez, Anna. Le cheval il va donner un coup de chabot, attention. Ah là, que le. Attention, coup de chabot, attention, coup de chabot. La première pour Anna. Combien on est? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Monsieur Playmo, il l'a eu? Je suis là aussi, moi. Pas, non, je pense pas. Non, t'as rien donné, Billy, à Vincent. Mais moi, je viens d'arriver, hein. Mais t'inquiète, tu vas les avoir, t'es nul. On est 9, hein, je suis là. Moi aussi. Je compte 9 personnes. 10. Attends, les. Bah, 10 maintenant. Normalement, c'est les femmes devant, pas derrière. On peut passer devant, il y a une petite place devant nous. Oui, bien sûr. Alors. Passer devant, voilà. Devant Billy. Ah, mais c'était pour le garde. Voilà pour toi. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, Gizmo et Chaussure de Casse-Bille. Frangin, après, on va aller voir. On a 75 000. Merci. Ouais. Merci pour les chaussures de Casse-Bille, c'est gentil. Là, tu remettras dans ma poche après. Ça marche. Il a vendu combien d'oranges, lui? Chaussures de Casse-Bille. Bien sûr. Il sait dire 75 000. Il sait que dire que 75 000. Ah, j'aime bien parce qu'il marche tous dans mon jeu et ça c'est trop bon ça, moi j'adore ça. Après je peux faire mes arrières à côté, mes affaires à côté tu vois. Là je vais me baigner tranquillement. Et là je me lave ici dans la fontaine. Rester à l'intérieur, est-ce que vous êtes sûr que c'est beau? Parce que moi je préfère rester à l'extérieur que c'est comme ça. Qu'est-ce que ça dit? J'ai rien entendu. Il préfère rester à l'extérieur. Ouais, je préfère rester à l'extérieur que c'est comme ça. Bon, ok. Je préfère fuir de la popo. Ouais. Pas toi qui a des cheveux et qui va avoir les cheveux en pétard et puis qui va devoir se recoiffer. Exactement. Bah il est parti où? Alors, tu voulais nous parler? Bah j'attends qu'il y revienne du coup. Je sais pas où il est parti. Oh putain. Bon, on va pas y arriver. Allez là au-dessus, regarde. Ah il dit chaud. Et je t'entends. Dis chaud. Ça a pris trop de temps, ça me gave. Bon bref. Ouais c'est... Je sais pas si je vais continuer à faire ça à Fourche. Ah ouais non mais c'est ouais, je t'avoue que ma passion c'est 18. Ouais oui, on est d'accord. Bon bah je... Alors du coup j'ai parlé du chipo ailleurs. Alors du coup je me suis rendu au rendez-vous. Et oui. Donc on a commencé à parler. C'est la première... Oh ça s'est très très bien passé et vous allez comprendre pourquoi. Ah vas-y. La chose qu'on voulait absolument du coup, oh là. Donc la première mission c'est que si tu préfères, ils nous vendent directement les graines de plantation. Et mmh. C'est à nous de planter et ensuite c'est à nous de récolter et après c'est à nous de vendre directement. Donc les graines ça tu coûte... Tu vas me dire que t'as les graines là? Oui. Ah bon? Oui. Mais non. Si si. Oh trop bien. Oh putain. Alors en gros c'est comme c'est des fournisseurs si vous préférez. Et du coup c'est 2,07$ la grade. Ah oui. Oui. D'accord. Et après vous allez comprendre, ça se revoit plutôt bien. Après voilà, comme je vous ai dit, plus il y a de shérifs aux alentours et plus les habitants sont en banque parce que forcément ils achètent pas aussi facilement. Alors ils sont là en mode oh, je suis en banque, je peux pas m'adjuger. Et du coup tu as d'autres forcément et tu gagnes pas mal d'argent quoi. D'accord, ok. Tu sais à peu près combien on les vend ces trucs là? Il te l'a dit? Non du tout. Ok. Bon on verra. Mais t'inquiète pas, ça se voit plutôt bien ça. Ouais, et pour planter, ça se passe comment? Alors par contre, c'est un petit peu spécial. Il faut que il fasse plus de 16 degrés.
Ok. Donc je pense qu'il faut planter ça durant l'après-midi, tout simplement. Oui, plutôt oui. Et il faut pas qu'il fasse ça tant copse, quoi. D'accord. Il faut qu'on descende plus vers le sud, tu penses, ou... Faut qu'on achète des seaux aussi. Faut qu'on achète... On en avait. Ah putain, on en avait. Bah oui, mais c'était dans la maison. Ouais. Sur ta dispo. C'est qui? Chevaux. Ah, c'est vous. Nom de Dieu, mais t'es fou. Vous m'avez fait peur. Oh putain. Vous saviez qu'il y a eu un groupe qui a intervenu? Un groupe qui a intervenu, bonjour à tous, oh, vous allez bien? Oui, il y a un groupe qui a traîné là. Il y a un groupe qui a fait un barrage quand on allait du coup du salut de Rhodes à la cotonnerie. C'était quoi comme groupe? Je sais pas, ils étaient habillés en vert. Ils étaient tout en vert et ils étaient au moins une dizaine. En vert? Ah ouais. Ok. Ils ont fait un barrage là? Bah, ouais, mais on a fait demi-tour. On a fait demi-tour et du coup, ils sont partis sur la gauche, donc en direction de chez nous. Ils ont dû partir vers Saint-Denis, je pense. Ouais, je pense vers Saint-Denis. Ouais. Bon, Saint-Denis, c'est la guerre. Hein. Ah bon, ok. Qu'est-ce qui se passe? Les Fates et la famille contre les Mexicains. Ah, je suis au courant, oui. Voilà, moi j'ai été blessé par les Mexicains et j'ai été. C'est bon, ça va, j'ai été soigné par les médecins. Oui, j'étais soigné par les médecins. Ok. Et Jax m'a demandé de partir de la ville. J'ai parlé avec Jax, avec le Don. Donc, il est d'accord pour qu'on soit en accord ensemble. D'accord. Alors, il a une énorme mission à vous donner. C'est quoi? Lui récupérer les Los Muertos. Oh, bon, ça. Il faut qu'on en parle avec la famille de tout ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que... Oui, tout à fait. Je vous laisse vous concerter, hein, parce que c'est beaucoup de prise de risque là. Parce que là, tu es en train de me dire un groupe qui sont quand même nombreux, et vu le nombre qu'on est doux, on va pas faire au feu. Nous, on est que 5. Enfin... Non, mais vous inquiétez pas. Maintenant, si vous demandez de vous attaquer aux Los Muertos, je pense pas qu'ils soient si nombreux que ça, les Los Muertos. C'est un petit groupe de Mexicains qui sont pas encore très nombreux. Et ensuite, Maxwell, Campbell, vous l'avez vu du coup? Oui, il était à toute la soirée. Et alors, cette réunion, ça dit quoi? Oh, pas grand chose, hein. Juste qu'il était absent parce que. Bah, pour des réseaux de santé, quoi, si tu veux. Il est malade. Que les médecins, ils savent pas trop ce qu'il y a, quoi. C'est compliqué. D'accord. Ils cherchent, mais ils arrivent pas à trouver son problème. Ouais, et question salaire, tout ça, Billy lui en a parlé, non? Pas un mot. Pas du tout, il a pas dit un mot, Billy. Bah, non, il a rien dit, Billy. Ah, il devait en parler? Il devait en parler? Bah, oui. Ouais, ah bah, pas un mot. Pas beau. Ok. Par contre, il vous a félicité. Oui. Sur ton travail. Ah ouais. Oui, il a dit heureusement que vous étiez là. Il te remercierait jamais assez, etc. D'accord. Voilà. Ok, bah merci. Merci beaucoup. Bah, c'est la moindre des choses, attends. Ouais. Et toi, Anna, il a dit, t'as rien dit sur le fait que tu sois gestionnaire, t'as félicité d'être gestionnaire Non, bah je suis viré, moi. Oui, elle est virée. Pardon? Oui. Elle s'est pris un coup de pied au cul, elle a été éjectée. Attends. Pourquoi t'es viré? Parce qu'il n'aime pas les femmes. Il voulait pas de femmes en tant que gestionnaire. Oui. T'es sérieuse là? Oui. Mais... Non. Non. C'est bon, Dieu. Il a rien du tout. Inspire. Inspire par le nez. Non. Reviens. Là, tu sais très bien passer. Fais attention avec ça, il y a des gens avec les jumelles, je sais pas. Hein. Ouais, faites attention, ouais. Non, il a rien dit de spécial. Ok. Sur moi. Et l'export, ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Ouais, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est l'exportation le plus simple au monde avec du bateau. Avec le petit chouchou, très bien. Ouais, c'était facile. Ça vous a plu? Bon, ça change, oui. Je préfère quand même les convois qui a plus de risque. Ouais, le train, c'était pas mal. Avec un peu plus d'adrénaline. Ah, je préfère, oui, personnellement. À cheval ou à train? Le train aussi, c'était pas mal, ouais. Ouais, enfin, on peut refaire ça, ouais. Dit qu'il voulait la semaine prochaine, il voulait faire avec le train, monsieur Campbell. Voilà. Ah, il veut refaire avec le train, Campbell? Oui, il a dit oui. Ok, ben, on reprendra contact avec... London, et puis on essaie de refaire Et il a parié qu'il va essayer de voir pour prendre des carriots de chez mort pour faire des démarches de ville en ville et vendre directement, etc. Bah, c'était mon projet, le marché. Hein.
Ah bah voilà, bah c'est ça. C'était mon projet de faire des marchés. Tu vois, il a dit que c'était son idée. Enfin bon. Non, c'est mon projet avec le comité d'entreprise de faire des marchés et donc de réunir tous les comités, toutes les entreprises et faire des marchés dans des zones bien, bien plates comme Big Valley avec un grand champ, le désert à pleine vue parce qu'il y a une grande étendue de sable avec un point d'eau pour que qu'on puisse pêcher aussi. Et, il n'a pas parlé de ça lui. Ah, mais lui, il veut, en fait, oui, mais en fait, le fond, il est là avec le comité d'entreprise, c'est de faire des marchés avec tous les entrepreneurs et les citoyens. Voilà, ouais, ça veut dire que les citoyens peuvent venir acheter directement. Ah, c'est ça, à l'endroit où on serait avec la carrière de Cyborg. Voilà, alors le problème, c'est que, comme j'ai dit avec la menuiserie, c'est qu'aux citoyens, on pourra vendre qu'à petite quantité. Pourquoi ? Parce que si un citoyen nous prend une grosse quantité, on fait de la concurrence déloyale à la menuiserie qui, lui, a besoin de nos chiffons et de nos linges pour fabriquer les tentes et vendre les tentes, du coup. Ah bah oui. Donc du coup, moi j'ai dit au... Et le comité d'entreprise a tout à fait... m'a dit que c'était très très bien de vendre à petite quantité aux citoyens, mais pas à grosse quantité, pour que la menuiserie, elle, puisse continuer à travailler. Mmh. Et j'ai fait mon premier entretien d'embauche. Ah, avec qui ? Bah tu vas être content. Laisse-moi avec deviner. Vincent Plémeau. Ouais. Je sais, il m'a contacté par Telegram et je lui ai demandé de te contacter ou Billy. Donc, on était en pleine réunion, il a sonné la cloche, Vincent. Donc, il a embauché ou... Bah, bien sûr. Ok, donc faut que je le notifie donc, du coup, dans la chambre du commerce. Je crois que Campbell l'a fait. On attend la validation de la chambre des commerces. Ok. Voilà, après, rien de spécial. Non, rien de spécial. On lui a quand même fait la remarque pour son absence, normal. Ouais. Vous l'avez dit que tout se savait ? Que toi, qu'il était absent, mais qu'il a quand même été chercher une tente. Il y avait trop de monde, je voulais pas. Ouais, j'imagine. Ouais, tout à fait. C'est les petits nouveaux et tout. Mais là, il est parti du pays, là. Il est parti se coucher. D'accord. Okay, bah après, c'est ce qu'il a dit. Après, tu vois, oui, bah après, il avait l'air d'aller bien. En plus, il l'a dit un moment. Il a dit, oh, bah ça va. Ok. Par contre, pour vos bouteilles, vous êtes en mesure de les. Vous avez combien de bouteilles d'alcool frelaté là ? Ouais, ça n'a pas grand chose, sachant que. Il y a eu quelques soucis avec la vidéo, tout ça, donc il y a toujours. Ouais, vous avez tous perdu votre maison aussi, comme moi là. Ah, c'est ça. On est à la rue. On est à la rue. Bon, ça va, les portes sont ouvertes quand même. Mais on peut se mettre à l'abri. Mais le problème, c'est que j'espère que on va pas la perdre parce que j'ai pas envie de la repayer encore une fois. Quoi. Ah non, j'ai mis un loyer d'avance. Ouais, alors moi, si elle devrait aller, après, on peut faire un petit papier. Quoi. Ouais, c'est surtout que j'ai pas envie que ça revienne quand je suis pas là. Je vois. Est-ce que c'est un coup que je sois pas là et qu'on me pique ma baraque ? Et on va me piquer ma baraque et ce qu'il y a dedans ? Bah oui, bah nous aussi. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et vu qu'on n'est pas prévenu quand la baraque elle est enlevée, du coup on n'a pas le temps de vider nos coffres, quoi. Ah bon, ça. C'est un peu le bordel. Justement, parle de ça. Est-ce que tu sais un petit peu s'il y a beaucoup de shérifs côté mexicain ? Des shérifs côté mexicain, côté ouest ? Exactement. Je crois qu'il n'y a aucun bureau de shérif d'ouvert. Donc si je tape un coup de paye, je risque pas grand chose. Si tu fais une pelle à Célia, et si tu roules une pelle à Célia, t'auras aucun problème. D'accord, donc si je creuse là-bas, c'est bon alors. Si tu creuses Célia, si tu vas bien profond, normalement... Bon bah c'est bon alors. C'est bon, je vais pouvoir creuser alors. Voilà. Vas-y, creuse. Vas-y, creuse. T'as vu Célia, en plus ça t'incite à la creuser. Oui. J'ai des oranges. C'est parti. Ouais. Ah, c'est Anna, c'est bon, ça y est. Quoi, on t'a perdu ? Ah non, merde. Je pensais qu'on t'avait perdu. T'es de plus en plus sérieux, ça, depuis que t'es gestionnaire, quand même. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu veux que je te raconte une blague ? Bah non, mais j'essayais de te faire rire, toi. Bah oui, non, mais... Tu sais, j'ai un vague souvenir d'un truc où t'as un faux rire inarrêtable. D'accord. Non, mais ça, c'est bon. Ça va. Je passe inaperçu avec mon rire.
Ouais, sûr. Ouais, ok. Bon, moi, ça me fait chier parce que là, il y a les Mexicains qui sont à Saint-Denis. Bah écoute, c'était un mariage. J'ai jamais vu un mariage aussi rapide. Ah oui? Ah oui, je pense que le divorce sera encore plus long que le mariage, quoi. Oh merde. C'est qui s'est marié? Rosenda McFarlane et Harris Gesrick. Rosenda McFarlane et ils sont à l'armurerie de Saint-Denis. Ah ok. Ah oui, d'accord. C'était un mariage très très rapide. Le maire était là. Est-ce que vous n'avez pas changé d'avis? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui s'oppose au mariage? Donc là, silence, hein, bien sûr, pendant 20 secondes. Bon, bah, je vous déclare marié-femme. Voilà, au revoir. Ah bon? Voilà. Eh ben, dis donc. Bon, c'était un mariage, mais alors super rapide. Ah bon, oui, elle était belle, la mariée? De quoi? Elle était belle, la mariée? Ouais, elle était belle, ça va, ouais. Elle était assortie à ses cheveux, c'était magnifique. Parce qu'elle a les cheveux blancs. Donc du coup, avec sa robe blanche grise, c'était super beau. Ah bah oui. Oui, c'est de ressortir. Après, on a pris des belles petites photos, tout, c'était beau, mais très, 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 très rapide. Ah bon, ça. Et là, du coup, les Mexicains, ils sont du côté de Saint-Denis, là. Ouais, bah écoute, ils étaient, en fait, on allait à Saint-Denis. Il y a un braquage à Rhodes aussi. Ouais, bon. Je sais pas si on lui a dit. Je sais pas ce qu'ils, ce qu'ils vont piquer à Rhodes, parce que tout à l'heure, je parlais au shérif Lambert, et le shérif Lambert m'a dit qu'il y a eu le braquage hier. Et que bah qui sait pas avec quoi ils sont partis. Il y a une grosse explosion en plus. Oui, mais le problème c'est que la banque elle est braquée tous les jours. Donc à un moment donné, il y a plus rien dans les coffres. Hein. Ah c'est ça, il faut attendre un petit peu que ça se remplisse quoi. Bah ouais. Oh là là, la dynamite de perdu pour rien. Bah ouais. Et donc du coup les Mexicains, ouais, on allait les chercher avec les Fates à Saint-Denis et du coup ils me sont tombés dessus par derrière. J'ai fait une chute à cheval, ils m'ont tiré dessus, j'ai essayé de me défendre, 2 balles, et puis ils m'ont blessé, et puis bah, j'ai fini au dispensaire de Saint-Denis. Oh putain. Ah boy, ça. Mais c'est vraiment la guerre, quoi. Ah bah ça. Ouais, c'est la guerre, là, mais là, il faut qu'on décime les Mexicains à mort. Donc, faut prendre un peu de renseignements sur les Los Muertos, là, voir un petit peu combien ils sont, où est-ce qu'ils crèchent, et essayer de les ramener un par un. Sans les ramener tous ensemble, mais au moins les ramener un par un, voyez-vous. Vous contactez, au pire, vous contactez Julia Devaloris si vous avez besoin. Si moi, vous savez que je ne suis pas dans le pays, à ce moment-là, vous contactez Julia Devaloris. Mmh. Et vous lui dites que vous avez un Los Muertos, et puis voilà. Mais prenez bien les renseignements avant. D'abord, dès que c'est mexicain, il faut prendre. Voilà, c'est la consigne de Jax. Dès que c'est mexicain, que c'est un sombrero, c'est faut lui ramener. Vous allez être content, parce qu'il y avait un mexicain tout à l'heure dans le Sayud. Ah bon? Bien sûr. Ah, le monsieur qui a servi, il a dit comme ça. Et toi, le Mexicain, tu veux quoi? Il avait un poncho. Un poncho, ouais. Oui. Ouais, il n'avait pas de chapeau, mais il avait un poncho. Si, il avait un chapeau, à vous voyez. Ah bon, ah bon? Oui. Et il avait un poncho, oui. Un poncho Rello? Oui, je crois, c'est ça, non? Ouais, c'est un poncho Rello, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, d'accord, ok. Ça va, Célia? Ils sont un peu partout. Ça va, ça va, j'écoute. Ah bah là, ils nous envahissent, hein. Ils nous envahissent, ils sont partout. Ils veulent les territoires, là, ils veulent tous les territoires, ils veulent Saint-Denis, ils veulent un peu tout, là. Mm-hmm. Bah, après, je connais, faites attention à vous, surtout. Je connais pas mal d'empêchements du côté mexicain, tout ce qui est pavillon, etc. Ouais. Je sais où c'est habité. Oui. J'ai fait un tour tout seul et après j'ai refait un tour avec la famille. Donc j'ai repéré quelques petits pavillons, pas si par rien. Enfin, un petit peu. Beaucoup de pavillons plutôt. D'accord. Au moins une dizaine de pavillons par endroit. Que... Bon, moi je vais y aller. Je vais envoyer un télégramme à la famille pour les rassurer que je suis arrivé à Rhodes. Ok. Ça marche. Et puis faites attention à vous. Oui, oui. À vous aussi. Ouais, bah moi tu sais, maintenant je risque plus rien à force là. Tant que j'arrive à guider les marshals ailleurs que sur la famille et vous, c'est le principal. Ah, je suis sûr. Et là, il y a beaucoup de marshals qui traînent aux alentours du Royaume. Non, Rhodes, ça va encore. Ah, sur du côté de Saint-Denis là. Je sais pas en fait. D'accord. J'imagine que ça doit tourner, sachant qu'il y a eu un braquage de banque juste auparavant.
Bah, je sais pas en fait. S'il y a des banques de, s'il y a des banques de braqués, les marshals vont surtout être vers les banques, quoi. Donc là, ah, tu vois, ça. Par exemple, s'il y a eu la banque qui a été braquée à Rhodes, les marshals vont être vers Rhodes. Si, ça. Ah, surtout les groupes qu'il faut faire attention qui a tourné autour de ailleurs à Billonville. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que ça en vert, ok. Oui. Ok, ok. Ben, vous les avez vus et vous ont dit de faire demi-tour ou quand vous les avez vus, vous avez fait demi-tour? On a fait demi-tour. Monsieur Campbell a dit on fait demi-tour. D'accord. Et vous êtes quoi, en plein export? Non, non, on était au retour du Chahoud. Oh. Voilà, il nous a offert une petite bouteille. Voilà. D'accord. Ok, ok. Ok, ok. Ok, bah faites attention à vous, je vais y aller, moi. Oui, toi aussi. Ça marche. Allez, à tout à l'heure, à plus tard. À plus tard.